Alors bonsoir, enfin bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de ceux qui viennent à peine de se connecter, de bien vouloir partager le live, d'accord? Moi, je vais faire autant. Il y a Claire qui est en live en ce moment. Bon, bref, c'est pas grave, j'ai voulu attendre que Claire termine. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de bien vouloir partager à vos amis, partager à vos connaissances, partager. Là, nous sommes sur Starly Rolls Parfait et Yi, ou bien nous sommes sur Starly Rolls Parfait, je ne sais même pas exactement vers où je lance le live. Donc, pour ceux qui. Voilà, je crois que nous devons entrer sur Starly Rolls Parfait et Yi. Starly Rolls Parfait, je crois. Non, nous sommes sur Starly Rolls Parfait et Yi. Donc, merci de bien vouloir partager le live. Hein. Merci de bien vouloir partager le live. Donc, pour ceux qui se connectent à l'instant, merci de bien vouloir partager le live. Voilà. Partager le live. Donc, bonjour à tous ceux qui se connectent maintenant. Bonjour à toutes et à tous. D'accord? On va commencer tout à l'heure. Je vais juste ici partager le lien pour que ceux qui sont sur l'autre page puissent me retrouver. Voilà. Pour que ceux qui sont sur l'autre page puissent retrouver le live. Merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Partagez, ceux qui se connectent à l'instant, de bien vouloir partager. On essaie de partager pour que le lien puisse être retrouvé un peu partout. L'importance de partager le live ici, c'est pour pouvoir permettre au maximum de personnes d'avoir la seule et unique information. Je tiens à le rappeler aux uns aux autres. Il faut que chacun d'entre nous n'ait qu'une seule information. Nous devrions avoir un seul mot d'ordre. Hein? Évitons la distraction du fait qu'on vous fasse savoir que le coup d'État a été avorté, ceci. Non. Il faut que chacun d'entre nous puisse avoir un seul message. Donc, c'est de ce dont il s'agit là. Donc, merci de bien vouloir partager le live pour que chacun d'entre nous puisse avoir un seul message. Voilà. Donc, envoyez-le à tous vos amis, envoyez-le à qui vous voulez, partagez sur les groupes WhatsApp, partagez sur en inbox, comme vous avez l'habitude de faire. Donc, on a l'habitude de faire ça. Donc, partagez s'il vous plaît. N'hésitez pas de partager. Moi, je suis en train de faire la même chose. Voilà. Je répète, le but de partage, c'est pour que nous puissions avoir un seul et unique message. C'est important. Il faut un seul et unique mot d'ordre. On vous parle de coup d'État avorté. N'écoutez pas ça. C'est pas ça le mot d'ordre. Évitons de garder les gens sur la mauvaise orientation. Orientez les gens sur la bonne orientation. Voilà. Donc, merci de bien vouloir continuer à partager le live. Merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, envoyez en inbox, envoyez partout où vous pouvez envoyer. Moi, j'essaie de faire la même chose en ce moment. Donc, envoyez le message partout, envoyez-le partout, s'il vous plaît. N'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas de l'envoyer partout. Voilà. Continuez à partager le live, partagez le live. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'essaie de faire comme vous. J'essaie de faire comme vous. Donc, partagez le live. Merci. Voilà. Au fur et à mesure, n'hésitez pas de partager. Hein? Maintenant, on va commencer. Bon, déjà, ce que j'aimerais dire en entrée, et ceci est très simple. Tout à l'heure, j'étais sur la page de Yaling Domba. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Nous, on décide de prendre notre avenir en main. Nous n'avons pas besoin d'esclaves camerounais. Il faut que j'explique bien les choses.
Pour faire ce combat, nous avons eu l'aide des Camerounais. Pour mettre ma plateforme que je suis en train de lever en ce moment, c'est des Camerounais qui m'ont envoyé de l'argent. J'ai reçu 400 euros d'un Camerounais qui vit du Cameroun, du côté des États-Unis. Quand je parle d'esclaves camerounais, je parle de ceux-là qui considèrent que ce qui se passe au Cameroun est normal. Qui considèrent que la situation du Cameroun doit exister. Voilà les esclaves camerounais. C'est comme ceux-là qui considèrent que ce qu'on vit au Gabon doit perdurer. Voilà les esclaves gabonais. Mais les Camerounais qui se lèvent tous les jours en France, à travers la diaspora camerounaise, qui se lèvent, eux, ce sont les Camerounais, ce sont les hommes libres. Les esclaves, ce sont ceux-là qui considèrent que le Cameroun va bien. Donc, il faut bien faire la part des choses. Ceux qui ont voulu me faire croire que oui, j'ai entendu des histoires, on ferme les frontières, fermez les frontières. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que lorsque le Gabon se libère, le Cameroun se libère, le Congo se libère, la Guinée se libère. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Donc sachez que si le Gabon se libère aujourd'hui, c'est le Cameroun qui se libère à la suite. C'est le Congo qui se libère à la suite. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est inévitable. Alors, une autre façon pour combattre pour le Cameroun serait de soutenir le Gabon. Parce que quand le Gabon se libère, c'est le Cameroun qui se libère. C'est la Guinée équatoriale qui se libère. C'est le Congo qui se libère. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Voilà ce que certains esclaves n'ont pas compris. Mais les hommes et femmes camerounaises qui se lèvent tous les matins pour aller se battre pour leur pays, ce sont des hommes libres et ils ont mon respect. Ça, c'est ce que j'allais dire pour en introduction. Maintenant, je vais revenir sur ce qui est très important. Les lives que nous sommes en train de faire en ce moment, les lives que nous sommes en train de faire en ce moment, n'ont qu'un seul but. Celui-là de servir de relais du message qui a été passé à la radio nationale. Ces lives n'ont ce but que de passer le relais du message qui a été diffusé à la radio nationale. De grâce, je suis en live, ceux qui ne savent pas si je suis en live, sur une page, j'ai partagé le lien sur l'autre page. Hein? J'ai partagé le lien sur l'autre page. Donc, ceux qui essaient de me joindre là, ne m'appelez pas en live, vous coupez le live, s'il vous plaît. Vous coupez le live. Voilà, donc je disais ceci. Ceux qui sont passés à la chaîne de radio ont fait passer un message. Et nous devons de servir de relais. Les gens ont dit les Gabonais ne sortent pas. Moi, j'ai reçu des vidéos des Gabonais qui sont en train de sortir. J'ai reçu des vidéos des Gabonais qui sont sortis, qui sont bel et bien dehors. Ceux qui disent que les Gabonais ne sont pas sortis, c'est des menteurs. Les Gabonais sortent dans les quartiers. Et c'est le message qu'il faut faire passer. Ceux qui viennent vous dire qu'il n'y a rien au Gabon, c'est des menteurs. Vous comprenez? Ceux qui viennent vous dire qu'il ne se passe rien, c'est des menteurs. Il y a des Gabonais dans la rue. Et c'est le message que vous devez véhiculer. Parce que pour soutenir le mouvement qu'il y a en ce moment, il faut que les gens sortent dans les rues. J'aimerais vous rappeler que si le coup d'état de 64 a avorté, c'est parce que les gens se sont comportés en individualiste. Les Gabonais sont restés dans les maisons à observer ce qui se passait. Aujourd'hui, vous ne devez plus rester dans vos maisons à observer ce qui se passait. Qui va se passer? À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait rien de tout cela. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. On n'a plus besoin d'attendre que la RTG nous dise quoi faire. Aujourd'hui, chaque Gabonais peut véhiculer l'information. C'est la raison pour laquelle je demande à ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir partager ce live. Distribuer ce live partout. À Libreville, dans la diaspora, au Cameroun, en Centrafrique, partout. Il faudrait que le peuple de l'Afrique centrale se lève ensemble. Et je vous assure que si nous nous levons ensemble, là, maintenant, en Afrique centrale, là, maintenant, nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir libérer notre sous-région d'Afrique centrale. Si nous nous levons là, maintenant, tous ensemble, nous avons la chance de pouvoir ensemble libérer notre sous-région d'Afrique centrale.
J'aimerais vous rappeler ceci, pour ce qui est le cas du Gabon. L'armée gabonaise représente à peu près 20 000 soldats. Libreville compte à peu près plus de 800 000 personnes qui y vivent. Nous sommes largement suffisants pour pouvoir irradier toute personne qui pourra nous empêcher de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ce jeune homme qui a pris la parole, prend la parole en tant que soldat. Il ne pourra rien si le peuple n'est pas derrière lui. Il ne pourra rien si on l'observe. Il ne pourra rien si on l'assiste seulement en l'observant. Parce qu'en réalité, ceux qui font le buzz, ce n'est pas ceux qui se lèvent pour ce pays. Ceux qui font le buzz, c'est ceux qui regardent, ceux qui doivent se lever et venir faire des critiques qui ne servent à rien, des critiques stériles. La question de on va encore faire comment ne doit plus exister dans notre langage. La question de on doit encore faire comment ne doit plus exister dans notre langage. Seul un seul message doit véhiculer. Que tout le monde se lève. Levez-vous. Organisez-vous dans les quartiers, peuple gabonais. Depuis deux ans, nous nous préparons pour ça. Deux ans. Nous avons attendu ce jour. Les gens ont fait des prières. Que Dieu nous enlève Ali Bongo. Ali Bongo est mort. Ali Bongo est mort depuis le 24, je vous l'ai dit. Depuis le 24, Ali Bongo est mort. Il n'y a rien qui a été présenté depuis qu'Ali Bongo est tombé. Rien du tout. Que les gens qui vivent à côté des personnes qui maintiennent le Gabon dans l'esclavagisme, allez-y brûler leur maison. C'est le moment de brûler leur maison. N'attendez plus quoi que ce soit. C'est le moment de brûler leur maison. Ces personnes doivent sortir de ce pays-là par les petites portes, par des pistes. C'est notre pays. Et que ceux qui pensent que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour distraire les gens, ces personnes, ce sont des esclaves. Que le peuple camerounais se lève aujourd'hui. Que le peuple camerounais se lève. Que le peuple gabonais se lève. Nous sommes un seul et seul peuple. C'est les frontières qui nous dépassent. C'est les frontières qui nous séparent. Mais nous sommes un seul peuple. Nous avons les mêmes douleurs. Nous vivons les mêmes mal, les mêmes maux. Le mal est le même partout. Quand un se lève, il faut que deux se lèvent. Je ne suis pas là pour venir vous entretenir des messages d'amour. J'en ai rien à foutre de votre amour. Rien du tout. Je pense qu'à un moment donné, apprenez à penser à l'avenir de vos enfants. Pensez à l'avenir de vos enfants. C'est tout. Donc, le seul message qu'on doit véhiculer, c'est que le peuple gabonais doit se lever. Vous devez partager ce live. Vous devez partager ce message. Ne laissons pas ce jeune soldat à la pâture. Bertrand Zibi s'est levé. Ali Amia Washington est rentré. Toutes les personnes qui se lèvent pour vous, vous allez les laisser en pâture? Toutes les personnes qui se lèvent pour vous, vous allez les jeter en pâture? Je pense qu'à un moment donné, arrêtons de nous comporter comme des lâches. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes un peuple gabonais. Le peuple gabonais, c'est pas un peuple de lâches. Le peuple camerounais n'est pas un peuple de lâches. Le peuple camerounais n'est pas un peuple de lâches. Arrêtez de vous comporter comme des lâches. Arrêtez d'observer comment on vous écrase. Arrêtez de vendre et hypothéquer l'avenir de vos enfants. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe avec les gens, avec certaines personnes? Quel voyant vous voulez qu'on vous parle? La dictature, oui, la dictature. La dictature pour se lever, pour devenir des hommes libres. Je serai dictateur pour que tu deviennes un homme libre. S'il faut être dictateur pour que tu deviennes un homme libre, je serai dictateur pour que tu deviennes un homme libre. Oui, la dictature pour ça. Et puis, j'aimerais aussi revenir sur une histoire. Je refuse, ne faites pas cette erreur. Le jeune Obiangé, lui, quelque part, le lieutenant Ondo Bien, le nouveau homme fort. Non! C'est un Gabonais comme tout le monde qui s'est levé et qui attend que chaque Gabonais prenne ses responsabilités. Chaque Gabonais deviendra un homme fort. Si toi, tu te lèves aujourd'hui,
Tu sors de ta maison. Tu deviens un homme fort. Un homme fort comme ce lieutenant. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. N'apportez pas la foudre sur ce jeune homme. Ce jeune homme a fait ce que chacun d'entre nous pense depuis des années. Vous avez besoin de l'étincelle. Vous avez besoin d'une raison de sortir dans la rue. On vous a donné une raison de sortir dans la rue. Arrêtez de vous comporter comme des esclaves, comme des lâches. Le Gabonais qui va se retrouver dans sa maison aujourd'hui, c'est un lâche. C'est un lâche. Toi qui vas t'enfermer avec tes enfants dans la maison, tu es un lâche. Le père de famille qui va s'enfermer dans la maison avec ses enfants aujourd'hui est un lâche. Autant qu'ils sont. Voilà. Le père de famille qui va fermer la porte et dire à ses enfants qu'on reste à la maison ne sort pas est un lâche. C'est un lâche. Si vous estimez que vous êtes des hommes libres, c'est le moment de se comporter en homme libre. Juste en homme libre. Moi, je suis un homme libre. Et vous, vous devriez vous comporter en homme libre. Celui qui va dire, oh non, restez à la maison, pardon, les gens là sont toujours comme ça là. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous pensez que quoi? Que la liberté, se donne, elle s'offre. Vous croyez qu'on prend la liberté comme ça, on donne à quelqu'un que tiens, mange. Voilà la liberté, vous pensez ça? La liberté ne s'offre pas. On sort dans la rue, on se bat pour sa liberté. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient la liberté. Ceux qui se comportent comme des lâches vont rester à la maison. Mais je sais qu'il y a plus d'hommes au Gabon que des lâches. Et j'ai espoir de les voir sortir dans les rues. J'ai espoir. Alors, sachez ceci. Ce message est un message qui concerne toute l'Afrique centrale. De la Centrafrique au Gabon, en passant par le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale. J'aimerais vous dire ceci. Peuple camerounais, peuple centrafricain, peuple togolais, peuple congolais, peuple guinéen. Vous voulez la liberté, c'est maintenant. C'est maintenant. Le mouvement burkinabé a été lancé. Il s'est éteint. Le mouvement burkinabé aurait espéré devenir un véritable effet boule de neige. Mais il s'est éteint. Le mouvement gabonais est lancé. Peuple épris de liberté. Peuple épris de liberté, ne laissez pas éteindre cette flamme. Ne laissez pas éteindre cette flamme. Soit c'est maintenant qu'on libère l'Afrique centrale. Soit c'est à jamais qu'on reste des esclaves. Soit c'est maintenant. Soit c'est à jamais qu'on reste des esclaves. Vous avez compris? C'est le seul message que l'on doit faire passer. Le seul et unique message que l'on soit, qu'on doit faire passer. Le seul. Les gens m'ont dit, oui, parfois on n'a pas d'armes, on va faire comment? Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, j'étais ici en Turquie en 2016. Le 15 juillet 2016. Lorsque il y avait eu le coup d'État en Turquie, j'étais ici le 15. Le 15 juillet 2016. C'était à travers les réseaux sociaux. À travers... C'était à travers Imo que le président turc, comme je suis en train de faire là, à travers les réseaux sociaux, à travers un appel Imo, que le président turc avait demandé à la population de sortir. Lorsque les putschistes avaient pris le pouvoir, avaient pris les chaînes de communication, c'était à travers les réseaux sociaux, à travers un appel IMO, appel WhatsApp, que le président avait demandé au peuple de sortir. Que le président avait demandé au peuple de sortir. Son peuple était sorti sans armes. Il n'avait que des bâtons. Il n'avait que des béquilles. Il n'avait que leur drapeau. Leur drapeau vert jaune bleu. Pas vert jaune bleu. Leur drapeau rouge. Avec le croissant de lune. C'est ce que le peuple turc avait sur lui. Il n'avait pas d'armes. Et ce peuple a avorté le coup d'État en une soirée.
J'aimerais vous dire qu'en face, il y avait une armée. Une armée avec des chars et des hélicoptères, des avions de chasse qui tiraient sur le peuple. Ils ne sont jamais arrêtés. Ils ne se sont jamais arrêtés. On n'a pas besoin d'armes pour prendre le pouvoir au Gabon. On a juste besoin de la détermination. De la détermination. Voilà ce dont on a besoin. Du courage. Oui, on va me dire, oui, tu es en Turquie, tu te caches en Turquie, tu attends quoi pour descendre. Mais vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Oui, Adèle me dit qu'ils sont en train de couper le net. Pourquoi ils coupent le net? Pourquoi on coupe le net au Gabon? On coupe le net parce qu'on a peur de ce message. Parce que ce n'est pas au Gabon que j'aurais apporté. J'apporte en étant en Turquie. Voilà pourquoi on coupe Internet. Faut pas que les Gabonais reçoivent ce message. Parce que ce message fait peur. Il fait peur depuis le 24 octobre. Il fait peur. Il fait peur. Et on va continuer par tous les voies et les moyens. Installez les VPN sur vos téléphones. Installez les VPN sur vos téléphones. Faites passer le message que chaque Gabonais installe un VPN sur son téléphone. Et vous serez toujours informé de ce qui se passe. Bon. Là, c'est clair que Maya, Walter, ce fut un plaisir de te voir. Bonne chance. Au revoir, esclave. Donc, tous les gens qui sont en train de véhiculer le faux message, vous pouvez me les identifier, vous me les envoyez, je vais les bloquer tout de suite là. Nous ne sommes pas là pour distraire les esclaves. Tous ceux qui ont un message contre ce que nous faisons, identifiez-le moi et vous me l'envoyez. Voilà. Si vous connaissez une personne qui a un message contre ce qu'on fait, vous me l'identifiez, vous me l'envoyez, je le vire tout de suite. Voilà. Donc, c'est clair, le mot d'ordre est clair, il est donné. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je demande à ceux qui viennent de se connecter de bien vouloir partager le live. Partagez-le, pas seulement avec les Gabonais. Partagez-le avec le peuple camerounais, avec le peuple togolais, avec le peuple guinéen, avec le peuple béninois, avec le peuple congolais, avec le peuple centrafricain. Je pense que si aujourd'hui le Gabon se lève, le Cameroun se lève, la Guinée équatoriale se lève, le Congo se lève, la France-Afrique en est, ce sera la fin de la France-Afrique. Si ces pays se lèvent aujourd'hui, ce sera la fin de la France-Afrique. Vous comprenez? Si ces pays se lèvent aujourd'hui, vous avez fait des marches dans des mouvements panafricains, de panafricains. Vous avez demandé à ce que le franc CFA aille. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez la raison pour que le franc CFA puisse partir. Ne pas soutenir le Gabon, c'est soutenir la France-Afrique. Ne pas se lever aujourd'hui, c'est soutenir la France-Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, le message que nous devons passer aux uns aux autres est un message clair. Soit on se lève aujourd'hui, soit on reste esclave. Soit on se lève aujourd'hui, soit on reste esclave. Et moi, je ne veux pas rester esclave. Vous avez compris? Maintenant, vous allez me demander aussi comment c'est envoyé un message pour me dire parfait, que faire? C'est très simple. Je vais vous expliquer une chose. L'insurrection dans la rue est une bonne chose. Mais lorsqu'elle commence dans les quartiers, c'est encore meilleur. L'insurrection dans la rue est une bonne chose. Mais lorsqu'elle commence dans les quartiers, elle est meilleure. Libreville, c'est là où est concentré tout le pouvoir. L'intérieur du pays, il n'y a pas autant de présence militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut prendre déjà les rues dans les provinces de Libreville. Oyem, Bitam, toutes les provinces de Libreville. Tous les chefs-lieux et départements du Gabon. Excusez-moi, j'ai même les provinces de Libreville. Toutes les provinces du Gabon. Tous les départements et chefs-lieux du Gabon. Vous devriez en prendre possession. Ça veut dire quoi? Libreville peut rester encore comme ça, ce n'est pas un souci. Mais je vous assure que si toutes les provinces, les gens sont levés dans les provinces, le pouvoir n'aura plus de pouvoir. Ils n'auront plus de force pour faire quoi que ce soit. Libreville sera comme un appât au milieu des lions.
Libreville sera comme un appât au niveau des, au milieu des lions. C'est ce que vous deviez faire. Commencez déjà par prendre les chefs lieux de province et de département. Ça, c'est facile à prendre. Mais Libreville, lorsqu'il sera isolé, ce sera comme déposer un appât, un morceau de viande au milieu de lions. Voilà la stratégie qu'il faudrait adopter. Dans les quartiers, c'est la même chose. Avant d'arriver dans les centres-villes, commencez déjà par prendre le contrôle de vos quartiers. Commencez déjà par prendre le contrôle de vos quartiers. Voilà la raison, voilà la stratégie. Ensuite, il y a un lieu clair. Il y a la prison centrale de Libreville. Allez-y casser la prison centrale de Libreville. Vous cherchez des leaders. Vos leaders sont là-bas. Allez-y casser la prison centrale de Libreville. Si vous cassez la prison centrale de Libreville, je vous assure que Libreville sera pris. Si vous libérez ceux qui se trouvent dans la prison centrale de Libreville, si vous libérez les gens qui se trouvent dans la prison centrale de Libreville, je vous assure que Libreville sera pris dans les prochaines heures. Donc, ceux qui ont fait des prières pour le Gabon, vous en avez fait assez. Je pense que n'attendez pas qu'une lumière, tombe du ciel pour pouvoir vous entretenir. Dieu a déjà fait ce qu'il fallait. Dieu a frappé Ali Bongo. Il est tombé. Dieu a permis à un homme de se lever, de vous passer ce message ce matin. Ce matin. Il n'était pas avec lui. Il n'avait pas avec lui toute l'armée gabonaise. Mais il avait avec lui des gens qui croient en lui. Peuple gabonais. Si vous laissez cette bougie s'éteindre, ce ne sera pas l'échec de la diaspora. Ce ne sera pas l'échec de l'armée gabonaise. Ce sera votre échec. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Depuis 2 ans, j'ai fait ce que je pouvais faire avec les moyens que j'avais. Ce jeune homme a fait ce qu'il pouvait faire avec les moyens qu'il avait. De grâce, ne le laissez pas en pâture. Ne le laissez pas, ne l'abandonnez pas. Cet homme ne l'a pas fait pour lui. Ce jeune homme, je doute fort qu'il a des châteaux en France. Je doute fort qu'il a des appartements dans tout Libreville. Je doute fort qu'il a l'héritage d'Omar Bongo avec lui. Je doute fort qu'il a, la Delta Synergie avec lui. Ce jeune homme, il n'a que son amour pour son pays. Il n'a que son amour pour sa nation. Il n'a que son amour pour sa patrie. C'est tout ce qu'il a. Il voudrait partager cela avec vous. Il voudrait partager cela avec vous. Allez-vous lui fermer la porte? Allez-vous lui fermer la porte? Je pense qu'il est temps que chacun d'entre nous comprenne ceci. Soit aujourd'hui on se lève pour libérer notre pays, soit on continue à assister au boom et au bal dansant à travers la diaspora. Soit aujourd'hui on se lève pour notre pays, soit on continue à danser l'incham dans les bars et les boîtes de Libreville. Mais j'aimerais simplement vous dire ceci. Quel que soit le choix que vous allez faire, vous condamnez votre enfant, vous condamnez votre progéniture, vous condamnez votre descendance, vous condamnez votre immortalité. Mon père a transmis son immortalité à travers moi. Et moi, je vais transmettre mon immortalité à travers mes enfants. Et mes enfants vont transmettre leur immortalité à travers mes petits-enfants. De moi,
de mon père, de son père, de son père avant lui, qui à travers les âges continue à vivre en moi. Mon devoir est de transmettre cette immortalité à mes enfants. Mais qu'est-ce que c'est d'être immortel et esclave? C'est quoi d'être un immortel et un esclave en même temps? Serais-je l'esclave immortel? Serais-je l'esclave immortel? Non. Je refuse d'être esclave immortel. Il est temps de prendre notre liberté. Il est temps de prendre notre liberté. Maintenant, j'aimerais... On m'a dit qu'il y a quelqu'un là. Il y a des gens, tous ceux qui... Bon, tous ceux-là qui considèrent que ce que nous faisons n'est pas assez, de grâce, vous me les signalez, je vais les bloquer. D'accord? Tous ceux que vous voyez là, parce que je ne lis pas les commentaires. S'il y a des gens qui font de la merde ici, vous me le dites, je les bloque tout de suite. Là, on n'en a pas besoin. Donc, c'est clair. Donc, je reviens à ceci en disant aux uns aux autres qu'aujourd'hui, il ne doit circuler qu'un seul message, que les jeunes s'organisent dans les quartiers. Il n'est plus question de réfléchir quoi faire. Ce qu'il y a à faire, c'est très simple. Vous êtes voisin de Bilé Binzé. Vous savez où balancer le feu. En ce moment-là, Bilé Binzé, la garde rapprochée de Bilé Binzé n'existe plus. La garde rapprochée de Marie-Madeleine Bourançon n'existe plus. La garde rapprochée de Manganga Moussavou n'existe plus. Vous savez exactement où aller frapper. J'ai envie, pour le cas de Marie-Madeleine Bourançon, j'aimerais que chaque Gabonais en fasse une affaire personnelle. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Le message est terminé. Voilà le message que je voulais vous passer. Donc, on va continuer à faire des tours comme ça sur la toile pour vous faire passer ce message. Le message doit être le seul. Il y a d'autres activistes qui ont un message à faire passer. Je vais les libérer la ligne. Donc, s'il y a des gens, si vous voyez un activiste en ligne, connectez-vous. Le message doit être le seul et le même. Le message doit être le seul et le même. Donc, moi, je libère la ligne. Je laisserai la place à une autre personne. S'il vous plaît, partagez ces messages-là. Ne les gardez pas sur vos pages. Mettez-les sur vos groupes WhatsApp, sur vos groupes, en inbox. Partagez ce message. D'accord? Mon message est terminé pour l'heure. Il y a d'autres personnes qui vont passer de grâce. Restez mobilisés, restez éveillés. Si vous avez prévu partir au travail aujourd'hui, s'il vous plaît, ceux qui sont dans la diaspora, de ne pas le faire. Donc, le message doit être le même pour tout le monde. Merci pour ceux qui ont été connectés. Merci pour ceux qui font passer le message. On est ensemble. Téléchargez les VPN chez vous. Téléchargez les VPN. Internet est coupé à Libreville. Téléchargez les VPN. Merci. On se porte ensemble. Ensemble, la nation, nous vaincrons. Au revoir.